Nathalie vient se connecter. Salut François, de la visite aujourd'hui. Oui, c'est ça, à Louison. Salut Denis, Nathalie. Vous deux, de nous deux, oui. Bon, juste avant d'aller plus loin, là, on annonce le 18, la semaine prochaine, samedi, on a la réunion de silence. Ben, c'est cette semaine. Oui, c'est ça. Réunion de silence à 1 h, c'est chez nous. Puis, c'est. On débute à 1 h. Si vous voulez manger avec nous autres, après, on fait un repas, là, amenez-vous un lunch, on partage, puis on a du bon temps. Ce que c'est ça, je n'avais pas d'autres annonces, je pense. Non, Julien n'est pas là, ça fait que il manque un morceau de mon cerveau. Tout ce qui est organisation. Ce que je pense, c'est tout, là. Fait qu'on vous attend samedi. Si vous voulez venir à la réunion de silence, là, on a eu du bon temps la dernière fois. Plusieurs personnes. Aujourd'hui, ben, j'ai un invité, c'est Émilie. Allô, Émilie. Bonjour, papa. OK, ceux qui nous suivent depuis un bout, là, j'avais déjà interviewé Émilie, ça fait peut-être 1 an de ça. Non, c'est l'été passé. L'été. Ah oui, c'est vrai, à l'été. Puis, étrangement, c'est la vidéo qui a été le plus regardée qu'on a faite. C'est que je pense que c'est bon. Émilie, elle peut apporter, là, dans le fond, une vision de l'extérieur. Puis, dans le fond, être capable de répondre à des questions difficiles que souvent, nous, comme, mettons, pasteurs ou gens qui vont à l'église, des questions qu'on, des fois, qu'on veut pas entendre ou des réponses qu'on veut pas entendre, mais qu'on a besoin d'entendre. Puis, j'aime, dans le fond, la franchise qu'elle a, là. Puis, ça permet, nous, de nous ajuster pour voir, mais est-ce que ce qu'on fait, c'est encore à jour, puis est-ce que ça rejoint tout le monde finalement, là? Le danger, là, d'être trop longtemps avec les mêmes gens, c'est que on devient fusionné, puis on n'est pas capable de penser en dehors de la boîte. Puis là, de temps en temps, il faut se lancer un défi, là. C'est ce qu'on fait beaucoup, nous, ici, là, avec Émilie, puis d'autres, là. Mais j'ai pas toujours l'occasion de faire ça. Dans le fond, en direct, là, avec vous. Puis là, mais aujourd'hui, on va le faire. La dernière fois, dans le fond, on avait parlé un peu avec Émilie concernant le fait d'aller à l'église, de pas aller à l'église, pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu vas pas à l'église. Puis, avec creuser ça, je vous encourage, si vous voulez aller sur soit YouTube ou Najo, si vous reculez, là, vous allez trouver le vidéo, là. Vous allez voir, notre image est là. Écoutez le premier, là, ça va peut-être vous positionner pour celui-là, là. Émilie aussi avait des questionnements, des choses, puis je pense que il y a eu des réponses, là. Et ça, j'ai quelques questions que j'ai posées, puis on va étaler là-dessus, là. C'est quoi l'été passé que tu es allé aux États-Unis? Je suis allée c'était mars et avril. Puis, veux-tu me parler de ton expérience là-bas, puis un peu le contexte qui t'a amené là, hein? En fait, je suis allée visiter Mark Yao. Je pense qu'il y a peut-être certains de vous qui l'ont rencontré. C'est un des amis de mon père. Il habite à Wilmington, en Caroline du Nord. Fait que c'est une ville qui est directement sur la plage de l'océan Atlantique. Fait qu'en fait, je suis partie un peu là-bas parce qu'on s'entend que, voilà un an, le contexte socioculturel ou peu importe,
au Québec était vraiment différent qu'il l'est maintenant en 2023. Et j'ai vraiment, je vivais une grande détresse par rapport à tout ça. Puis j'avais besoin de me sentir un peu libre, peut-être. Puis juste de changer d'environnement. Donc, papa, il est en contact avec son ami Marc. Puis Marc et sa femme Charlotte, ils m'ont dit, ah, ben, viens passer du temps chez nous, ça va te faire du bien. Ça va être une façon de se ressourcer. Fait que j'ai pris mon auto, j'ai conduit presque 15 heures. Avec une voiture qui avait quelques petits problèmes, mais j'ai arrêté chez Jeff à Charlotte. Je pense qu'il y en a qui connaissent Jeff. Puis j'ai arrêté chez Donna aussi. J'ai arrêté chez Donna aussi, là, j'ai fait la tournée. je vais juste arrêter. Au travers des années, on s'est impliqué dans l'Église. Là, puis tu comprends, il y a beaucoup de gens là, qui ne vont plus à l'Église. Là. Puis avec raison ou pas raison, là. Mais nous, je vous dirais, on a eu au travers des années des milliers de raisons de plus y aller, là. Sauf qu'on a persévéré, puis une des bénéfices de ça, c'est qu'on s'est fait des amis un peu partout, là. Puis dans le cas-là, Émilie avait besoin, j'ai appelé mes amis, puis parce qu'on a investi dans leur vie depuis des années, puis on a investi dans la nôtre, puis on a développé des liens, là, des liens qui sont très forts. Immédiatement, la réponse, c'est « Ben oui, elle peut venir chez nous. » Puis, il y avait presque un tiraillement pour savoir qui recevrait Émilie. c'est que, juste peut-être pour vous dire, c'est important d'être attaché à l'Église. Il y a une communauté incroyable. Nous, on est bénis parce que cette communauté-là, elle s'est étendue dans le monde, dans je ne sais pas combien de pays. Puis ça permet à faire ce genre d'expérience-là. Fait que je te laisse aller avec ça. Fait que c'est ça, je suis arrivée chez des gens que moi, je ne les avais jamais rencontrés. Marc et Charlotte. Fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais je suis arrivée chez eux, ils m'ont accueillie comme si je les connaissais depuis toujours. Puis à partir de ce moment-là, ils m'ont vraiment donné l'espace pour me reposer. J'avais besoin de me reposer. Puis j'amenais un peu le travail avec moi aussi, donc je faisais du travail à distance. Fait que je me suis installée chez eux, puis finalement, j'ai resté à Wilmington pendant 6 semaines. Puis j'ai passé beaucoup de bon temps avec Marc puis Charlotte, mais surtout Marc. On a eu toutes sortes de conversations sur Dieu, sur l'Église. C'est quelqu'un qui a une expérience de vie quand même assez riche comme expérience. Là, t'as l'impression que cette personne-là a vécu beaucoup, beaucoup de vie, que beaucoup de gens dans leur vie n'auront jamais l'occasion de vivre des vies comme ça. Mmh. Fait que ça fait que c'est quelqu'un qui est très, très intéressant. Puis c'est intéressant de voir il est parti de où et où ce qu'il en est maintenant. Puis bon, avec toutes les discussions qui se passaient, dont beaucoup de discussions peut-être un peu sur la politique canadienne, ce qui se passait à ce moment-là, toute la gestion de crise et tout. Puis il me répétait souvent, « Émilie, ta foi, ton espoir n'est pas dans les gouvernements, n'est pas dans les autorités. Faut t'arrêter d'essayer de planifier ton futur ou d'essayer de comprendre c'est quoi les prochaines étapes, comment ils vont agir. Puis laisser ça vraiment te mettre dans une grande anxiété, t'inquiéter. Faut que tu apprennes que si tu dépends pas de ces gens-là, oui, tu vis dans un pays et puis ces gens-là, ça donne à tout pouvoir, mais c'est pas ton espoir dans le futur, ta vie, ta paix n'est pas dans ces gens-là. Puis je peux te dire que ça me rentrait dans la tête, mais ça l'a pas fait son œuvre tout de suite. Puis je dirais que maintenant, rendu en février, ça l'a fait son travail, puis je dirais que oui, il se passe toutes sortes d'affaires, ça, c'est clair. Là. Du bon, du mauvais, c'est un peu n'importe quoi. Tous les jours, on a des nouvelles choses qu'on apprend et tout. Mais de dire que non, je ne me laisse pas abattre par ça, je ne me laisse pas être inquiet, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de raisons de s'inquiéter, puis de dire que, regarde, moi, je veux croire que Dieu s'occupe de moi, puis c'est Dieu qui est en charge de ma vie, puis même si je suis dans un pays qui a de l'inflation comme jamais, qui s'en va vers une récession, qui a une crise économique, qui a un très, très gros bris de confiance entre la population et le gouvernement, puis le gouvernement prend peut-être des décisions qu'on n'est même pas, on n'est pas impliqué dans ces décisions-là, il n'y a pas beaucoup de transparence, ben oui, je sais que ces choses-là existe, c'est ça la réalité dans laquelle je vis, parce que je vis au Canada, puis c'est ça qui se passe au Canada en ce moment, mais c'est pas, ma vie n'est pas, ne tourne pas autour de ça. Puis oui, je continue, il faut que j'ai des factures à payer, j'ai des obligations financières, fiscales, whatever, mais c'est des choses que je fais, mais j'ai pas, essayer de pas avoir l'inquiétude. Puis je peux dire que c'est un peu à tous les jours, il faut se rappeler
Parce que c'est pas quelque chose qui est acquis, que genre je ne m'inquiéterai plus jamais. C'est pas ma réalité, en tout cas, peut-être que tu la vois, mais c'est. C'est ça, mais aussi, quand je me souviens, quand tu es parti là-bas, tu avais beaucoup d'angoisse et d'inquiétude, là. Puis, dans le fond, au travers des conversations avec Mark, puis Charlotte, puis peut-être d'autres aussi, là, je sais que tu as rencontré Rick, puis Jim, mais ça, c'est quelque chose d'important, là, parce que justement, on vit des grands bouleversements, là, puis ce que, dans le fond, l'espoir qu'Émilie nous donne, là, c'est que si tu t'approches de Dieu, tu peux être libéré de ces angoisses-là. Puis ça, c'est important. Tu suis pas libéré dans le sens que je vais m'en aller vivre sur une île, puis il n'y aura pas de contraintes, là. Si je peux être en plein milieu de grandes contraintes, de grands problèmes, puis quand même avoir confiance que Dieu va s'occuper de moi. Moi, j'ai eu la grippe, là, je m'excuse. Je Moi te tâche. C'est ça qui est. C'est ça. C'est ça. je OK, puis là, mettons, à partir de ça, mon autre question, c'est comment va ta vie spirituelle à partir, ben, peut-être si on recule, je me souviens, quand on s'est parlé C'était en juillet. l'année passée, là, il y avait beaucoup d'inquiétudes, de choses, puis là, ben, je l'ai vu parce qu'on s'est parlé avant l'entrevue, là, que dans le fond, t'as fait la paix avec plusieurs choses, là. Je sais pas si tu veux nous parler de ça. Comment va ma vie spirituelle? Ben, pour les gens qui, peut-être comme moi, mettons, ont pris quand même un très, très gros recul de tout ce qui est église, ministère, tout ce qui est dans l'orbite, mettons, de l'église, là, pendant plusieurs années, j'ai pris un gros recul. Puis, tu sais, je pense qu'on en avait parlé en juillet l'année passée. C'est pas comme si c'est passé un événement, puis j'étais en colère ou en amertume. C'était juste, on dirait que la vie, ça s'est fait lentement, tu sais. Puis le retour, c'est pas. Je peux pas dire que le retour se fait lentement aussi dans mon cas, où ce que tu sais, il y a des hauts, des bas. Là, une des choses que j'avais fait quand je suis allée à Wilmington, c'est j'ai acheté une Bible que tu la lis pendant un an. Fait que t'as comme 4-5 pages par Ancien Testament, Nouveau Testament, un psaume et un proverbe. Puis j'avais acheté, puis j'avais lu un peu, puis c'était pas rentré dans mes habitudes, on dirait quotidiennes. Puis là, en janvier, je sais, OK, là, je veux vraiment la lire. T'sais? Puis déjà, dans le mois de janvier, il y a certaines des histoires. J'étais avec l'histoire de Joseph, puis tout le concept des rêves, l'interprétation des rêves. Puis j'ai vraiment senti que Dieu me parlait à travers ma lecture. Là, je suis rendue dans les listes de noms. Je me sens pas Le livre des très notes. inspirée. Toutes les 50 000 noms, là. Fait que là, je suis rendue à ça. Puis de dire que oui, peut-être que des fois, je saute une journée, mais au lieu de me taper dessus et de dire que je réussirai jamais, ben. Je vais dire, ben, je vais faire deux lectures la prochaine journée, tu sais, puis pas me mettre une espèce de pression de performance spirituelle, on pourrait dire, tu Non. sais. Fait que pour moi, c'était surtout ça, c'est de pas me mettre de pression. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui m'a fait reculer. Parce que je me mettais une pression, puis j'ai l'impression que mon retour, si je me mets cette même pression-là, c'est counterproductive, tu sais. Puis aussi, tu sais, dans le fond, Dieu est amour. Tu peux pas imposer l'amour. Tu sais, je peux pas commander à ma femme de dire, ben, je t'ordonne de m'aimer, là. Je peux pas commander ça non plus à mes enfants de dire, ben, là, t'es ma fille, t'es obligée de m'aimer. C'est pas un bon contexte pour développer l'amour. C'est que dans l'amour, il y a la liberté. Puis le Seigneur, tu sais, il a un niveau de patience que nous, on peut même pas comprendre, là. Puis lui, ben, il voit notre vie au complet, ce que, mettons, nous, on voit à peu près jusqu'au bout de notre nez, là. Ce que, c'est sûr que, mettons qu'on prend des engagements, puis on faillit, ben, Dieu est pas en colère, là. Continue à nous aimer, parce que on a quand même déterminé de faire de quoi, là. Puis c'est quelque chose qu'on avait parlé aussi en janvier, en juillet l'année passée. Puis je suis allée dans des églises. Je suis allée dans trois églises différentes à Montréal, dont une avec qui j'ai déjà été impliquée plusieurs années. Puis bon, c'est sûr que je retournais pas dans une église qui était exactement pareille comme je l'ai laissée, là, en tout cas ce qu'il y a 10 ans. Puis je suis arrivée là, je me suis assise, puis trois églises différentes, trois dénominations différentes. Puis une qui était beaucoup plus vivante que les deux autres, mettons. Mais je suis assise là, puis le sentiment on a discuté de ça en juillet, où ce que j'ai l'impression que c'est pas ma place. Puis ce qui est discuté, j'ai l'impression que ça ne m'impacte pas, parce que je vois pas comment je peux vraiment appliquer ça dans ma vie à moi.
Fait que ça fait que je ne suis pas retournée à les Églises. En toute honnêteté, je ne suis pas retournée parce que j'ai comme pas le... Tu sais, puis je me disais peut-être qu'il faut que je me fasse violence, puis que c'est... Puis je sais pas, j'ai comme... C'est pas, cette partie-là, je pense que ça s'adresse comme... Ben moi, je suis pasteur, mais aussi à d'autres pasteurs, là. Tu sais, si, dans le fond, des fois, on devient tellement spirituel qu'on est complètement inutile. Là. La spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité qui est pratique. Tu sais, comment je fais pour aimer un tel au travail, ou mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes parents, les gens que je rencontre sur la rue, comment je fais pour gérer mes émotions, toutes les choses, je suis bombardé de tous côtés, mes inquiétudes. La Bible adresse ces choses-là, mais des fois, on, comme pasteur, on prêche des messages qui sont comme pas, qui n'ont pas à rapport à la réalité des gens qui sont assis devant nous. Un des problèmes de ça, c'est que beaucoup de pasteurs vivent dans un vase clos. Dernièrement, j'ai fait plusieurs rencontres avec des leaders là, au Canada, puis je suis allé aux États-Unis aussi, là. Puis j'ai remarqué que dans certaines églises, il y a un élitisme qui est là. C'est comme si moi, je suis pasteur, ben je suis comme au-dessus de tout le monde, donc je ne me mêle pas avec les autres. C'est si je ne me mêle pas avec les autres, comment je peux savoir ce qu'ils vivent? Là? Puis là, ben je peux vivre dans un monde de fantaisie d'une certaine façon, puis prêcher des messages que les gens sont là, je ne leur donne pas d'outils pour vivre leur vie, là. C'est un peu ça, je pense que t'as peut-être rencontré, je sais pas, là, mais... Ouais, puis juste une petite anecdote comme ça, moi, je suis à l'église tous les jours. Parce que dans mon travail, en construction, en rénovation, j'ai 3 églises anglicanes du centre-ville de Montréal, sont mes clients. Fait que moi, je passe ma semaine dans l'église. Puis encore, on peut parler des Anglicans, pas que les gens sont Anglicans ici, mais eux aussi font face à la même problématique, où ce qu'ils sont pas capables d'attirer des grosses congrégations. C'est des congrégations vieillissantes. Puis il y a un gros disconnect entre peut-être quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel, là, des services très traditionnels, puis la réalité. Puis tu sais, moi, je fais partie de la réalité durant la semaine, quand il n'y a pas de messe, tu sais. Puis de voir comment est-ce qu'il y a un gros disconnect entre moi puis les gens que j'amène sur place pour travailler. Tu veux dire, on est dans une église, puis il n'y a aucune intervention quelconque d'évangéliser, je ne vais pas dire lire la Bible, mais de voir ces gens-là comme des potentielles personnes qui ont besoin de Dieu. Okay. Nous, on fait des réparations, ça finit là, tu sais. Puis il n'y a pas, dans le fond, ils ne se mêlent pas au monde. Là. Non, puis je trouve ça drôle. Puis c'est pour travailler avec des fournisseurs qui c'est des gens qui ne sont pas du tout croyants, qui n'ont jamais été de leur église de leur vie. Quand ils rentrent dans ces bâtiments-là pour faire des réparations ou nous aider à planifier des petits trucs de construction, ils ont tout de suite un intérêt. Puis je compte plus sur mes doigts le nombre de fois qu'il va y avoir une conversation sur Dieu. Sur l'Église en général. Tu veux dire que toi, tu es capable d'avoir une conversation avec eux? Oui. Okay. Par rapport à l'Église dans notre société, des questions peut-être un peu existentielles. Fait que, tu sais, je me dis, c'est peut-être ça. Moi, je vais à l'Église, finalement. Oui, puis là, peut-être que t'es le pasteur undercover de l'Église. Peut-être. Ben, c'est ça. Ça, c'est une chose que souvent, on voit pas, mais beaucoup... Moi, je l'ai vécu pendant des années. Là, je travaillais une job séculière, puis je me suis retrouvé à être l'aumônier ou le pasteur d'un paquet de monde avec qui je travaillais. Je prêchais pas avec une tribune puis ma Bible dans les mains. Ma vie, puis l'onction qui est sur moi, la capacité de prier et avoir des réponses, m'a permis de prier avec plein de gens. Ils ont été touchés, ils ont eu des guérisons, des délivrances, des réponses à des questions. Des choses qui lui faisaient peur, que j'étais capable de répondre par soit moi ou par la prière ou des fois par des prophéties, mais c'était complètement en dehors du contexte de l'Église. Là. C'est où vous êtes là, un peu comme Émilie a dit, peut-être là, elle ne voit pas exactement comme ça, mais ça finit que c'est ça. Si tu as un appel de Dieu sur ta vie, partout où tu vas, tu transportes le message. Puis c'est pas un message que nécessairement on crie. C'est un message qu'on vit. Puis ça, je pense que nous, ceux qui vont à l'Église, là, les chrétiens, c'est quelque chose, des fois, qu'on a de la misère à connecter notre vie, puis notre discours, puis nos actions. Puis c'est pour ça que beaucoup de gens nous regardent et disent, ben pourquoi j'irai avec vous autres, là? Vous êtes pire que moi, là. Puis avec raison dans beaucoup de cas, là.
Ça fait que si on veut devenir la lumière du monde, ben il faut sortir, la devenir dans le monde. C'est pas la lumière d'Église. La lumière d'Église, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est nous autres, là. Puis, ben, c'est ça, il y a peut-être un ajustement pour nous comme Église, là, ce que. Et en plus que ce qu'Émilie dit, là, t'es dans l'Église, il y a les pasteurs, les ouvriers de l'Église sont là, puis Dieu les amène quelqu'un dans la bâtisse, là. C'est même si ces gens-là, ils veulent même pas sortir de la bâtisse, Dieu les amène du monde dans la bâtisse. Quelle occasion d'aller les voir, puis de développer des liens, là, puis peut-être arriver à prier avec eux pour quelle que soit la raison. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ignorent. Et que nous, est-ce qu'on est comme ça, qu'on ignore les gens que Dieu met devant nous, assis devant nous, là? Non, tu sais, puis je dirais que même dans ce milieu-là, avec les églises anglicanes, il y a certains, ou même genre le staff de l'église, là, que tu vois qu'il y a une faim, il y a un cœur pour ce qu'ils font, mais il n'y a pas beaucoup de soutien autour. Ils sont assez isolés, mettons, dans leur désir de servir. Tu sais, comme par exemple, mon partenaire de travail a perdu son père assez subitement en janvier de maladie. Puis, il m'a dit, j'aimerais ça parler à telle personne. Puis il y a des gens dans l'église avec qui on travaille qui lui ont envoyé vraiment des beaux messages. Fait que, tu sais, je me dis, il y a peut-être des connexions qui peuvent se faire qu'ils n'ont pas encore réalisé que ça pourrait se faire. Parce que le nombre de ces fournisseurs-là qui viennent, qui n'ont jamais mis les pieds dans une église. Puis tu sais, finalement, tu me poses la question, tu me l'as pas posé, mais si tu posais la question, tu vas-tu à l'église? Je devrais dire oui, moi je vais à l'église tous les jours parce que je transporte l'église avec moi. Peu importe où ce que je vais, que je sois chez Home Depot, un endroit où je vais 3 fois par jour, ou dans une de mes églises anglicanes avec les gens qui sont dans, qui louent les espaces et tout, là. Fait qu'on pourrait changer de mot, dire, bon, je vais pas à l'église, je transporte l'église, Mais ou je suis l'église. peut-être je suis l'église, ça sonne un peu prétentieux. Non, mais l'église, dans le sens, pas dans le sens, c'est moi le clocher, là, mais dans le sens que quand, où je suis, l'église est là, parce que l'église, c'est une assemblée de croyants. Puis on voit dans les Actes des apôtres que Paul, à un moment donné, il traite des non-croyants comme s'ils étaient croyants, il prend la communion avec eux. Est-ce que par la foi, on peut traiter quelqu'un, mettons, qui n'est pas converti, comme un converti, en croyant qu'il va le devenir? L'interaction, elle change à ce moment-là. Mon regard sur la personne, ma façon d'agir va changer. C'est peut-être une façon, là, de devenir l'Église, puis de transporter l'Église, là. Que ce ne soit pas juste un clocher. Puis moi, je pense que Dieu a permis que la majorité des églises se ferment durant la période de COVID, de restrictions, peut-être pour nous faire repenser l'église, puis voir que l'église, c'est une façon, c'est nous, là. L'église, c'est moi, c'est vous. Puis où est-ce que je vais? L'église est là. Si on parle de l'église comme communauté, puis est-ce que moi, dans mon travail, je suis capable de créer une communauté? Ou si les gens avec qui je travaille, ils fuient, ils essayent de m'éviter, ils veulent pas me voir, ils changent de côté de rue quand ils me voient, ben là, il faut que moi, je change ma façon d'agir, là, parce que je ne travaille pas dans la communauté à ce moment-là. T'avais-tu d'autres choses? Non. OK. Ben là, j'avais une autre question, c'était, c'est quoi ta réflexion là, sur le monde là, en général suite à tous les 2 ans là, de COVID? Ben, on dit COVID, je pense que c'est plus les restrictions qui nous ont étouffés que le COVID, là. Ben, je dirais que je trouve que c'est rapide, c'est très facile de diviser les gens d'une façon extrêmement rapide. On parle quasiment d'une question de mois, puis il suffit que les gens aient des visions différentes sur certains sujets. Ça ne veut pas dire qu'un a plus raison que l'autre, c'est juste des façons différentes de voir la chose. Puis qu'à quel point c'est absolument divisif. Je ne sais pas quel autre sujet dans de mon vivant a été aussi divisif. Tu sais, je pense politique, religion, ce genre de choses qu'on ne parle jamais. Mais au-delà de tout ça, le type de division, puis l'ampleur de la division qu'il y a eu entre les gens. Je vais parler du Québec parce que c'est ici que je vis. Je suis pas revenue à quel point c'était facile, puis de aussi rapidement diviser les gens. Puis maintenant qu'on pourrait dire on est post ces restrictions-là et pandémie, à quel point est-ce que ça continue à diviser les gens? De dire que, ah, mais parce que toi, tu as fait tel choix, moi, je l'ai pas fait.
Puis c'est des deux côtés, ils se jugent, c'est le même jugement. Puis de dire que moi, OK, peut-être que j'étais plus d'un côté que de l'autre. Puis oui, je suis tombée un peu dans le panneau de dire que, ah ben là, je vais me venir juste avec le monde qui pense comme moi sur certains sujets, blablabla. Puis là, je me suis rendue compte qu'après ce groupe de gens-là qui devait être un refuge pour moi, dans lequel je pouvais me sentir en sécurité du jugement assez intense de l'autre côté, ben ces gens-là, ils ont commencé à se détruire entre eux autres. Fait que là, je me suis dit, OK, finalement, il n'y a aucun endroit où on peut être vraiment en sécurité dans ce monde. Que tu sais, peu importe de quel côté tu te trouves, le côté où ce que tu sais va quand même se dissoudre, tu sais. Fait que je me suis dit, regarde, moi, je veux me sortir de ça. Qu'il n'y a pas de gauche-droite, oui, non, peu importe tous les sujets qu'on parle, que vous savez de quoi je parle. Puis de dire que moi, je peux me sortir de ça, puis que peu importe la décision que j'ai prise, moi, une chose que je ne ferai pas, c'est me diviser avec les gens. Mm. Puis il y en a que ça sera malheureusement pas difficile pour moi, c'est pas possible pour moi de peut-être avoir des relations parce que eux de leur côté, il n'y a pas cette ouverture-là. Puis je peux respecter ça. Tu sais? Puis que moi, j'ai des gens autour de moi qui me disaient, ben comment ça que tu parles encore à cette personne-là, elle pense pas comme toi, elle n'a pas fait la même chose. Puis là, je me disais, OK, ça fait 20 ans que je connais cette personne-là. Il n'y a pas eu une chicane gigantesque entre nous deux qui fait qu'on se parle plus. Oui, on a des choix vraiment très différents, puis peut-être que là, des fois, il y a eu des arguments un peu, mais pas au point de complètement anéantir notre relation. Fait que je vois pas pourquoi est-ce que j'arrêterais de parler à cette personne-là parce qu'elle ne parle pas comme moi. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui est poussé beaucoup. Si tu penses pas comme moi, t'as pas les mêmes allégeances politiques, scientifiques, peu importe, médicales, ben là, à ce moment-là, il y a aucun terrain d'entente. Puis tu sais, tantôt on parlait avant souper de, tu sais, par rapport à c'est quoi le rôle de l'Église dans l'ère moderne. Puis est-ce que l'Église, elle peut devenir ce terrain neutre-là? Est-ce qu'elle est capable de le créer? Je ne sais même pas si c'est possible de créer ça, tu sais. Ben oui, tu sais, si je regarde, mettons, pendant que tu parles, je pense dans les Actes des Apôtres, là, bon, on sait que la société juive était très, très divisée dans le sens que les Juifs ne se mêlaient pas de personne. Là. Puis quand Jésus vient, là, au jour de la Pentecôte, là, il y a des gens qui viennent de toutes sortes de pays, qui finalement, le Saint-Esprit tombe sur eux, ils se mettent à parler en langue. Puis là, ils sont comme un peu... ils ne savent pas trop quoi faire parce que c'est des gens qui ne pensent pas pareil, qui ne parlent pas la même langue, qui sont... Puis là, c'est comme si Jésus, en faisant un geste, en donnant le Saint-Esprit, ces gens-là sont comme un peu obligés de s'unir. Puis c'est de même que l'Église est née. C'est que l'Église est née de pas dans l'uniformité, là. Jésus a uni des gens qui étaient extrêmement différents, que autant socialement, religieusement... des pauvres, des riches, des esclaves, des maîtres. C'était tout un mélange de people, de gens qui pensaient pas pareil, qui vivaient pas pareil, puis que Jésus ne leur a pas demandé de devenir uniformes. Il a juste demandé qu'ils s'aiment les uns les autres. Il n'a pas demandé, ben je veux que vous ayez une pensée unique, là. Puis ça, ben, c'est important parce que des fois, même nous, dans l'Église, mettons, moi, je suis pentecôtiste ou baptiste ou indépendant, assemblée de Dieu ou catholique, ou ben, si t'es pas comme moi, t'es nécessairement mauvais, là. C'est pas comme ça que ça marche, là. C'est pas ça que Jésus avait dans le cœur, là. Fait qu'il faut qu'on nous on ramène ça, puis peut-être que l'élément rassembleur, ça serait l'Église qui deviendrait la place où est-ce que les gens qui pensent différemment sont capables de venir ensemble en paix, pas nécessairement... En discorde, puis... Oui, même s'ils sont pas d'accord. Puis, je sais pas, j'ai vu... je vais pas écouter le Super Bowl parce que le football, ça m'intéresse pas tout à fait, là, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient payé des millions de dollars pour mettre une publicité de Jésus sur le Super Bowl. Il y a des, je ne sais pas combien de millions de personnes qui écoutent ça. Puis le message qu'il donnait, c'était justement ça. Arrêtez de vous diviser parce que Jésus, lui, aime tout le monde. Tu sais, ça m'a frappé parce que justement, j'étais aux États-Unis puis j'ai essayé d'amener cette pensée-là que Jésus, il n'est ni conservateur, ni libéral, ni démocrate ou républicain. Là, Jésus, il est Jésus. Puis la personne à qui j'ai dit ça, il a eu une réaction extrêmement hostile, là, je dirais, là, comme si Jésus faisait partie d'un parti politique. Là. À son époque, il ne l'a pas fait, puis je pense pas qu'il le fait aujourd'hui. Puis là, ben, je voyais ce message-là ça a été rafraîchissant de dire des gens qui disent ben Jésus, là, il aime tout le monde.
Puis si moi je veux être comme Jésus, ben il faut que je ressemble. Puis une des choses, le défi que j'ai de ressembler à Jésus, c'est d'aimer tout le monde. Même les gens qui ne pensent pas comme moi, qui sont hostiles à mes idées, même, ils me commandent des amis. Fait que, c'est ça. C'est que, mettons, si je te dirais à quoi l'Église post-COVID devrait ressembler, as-tu une idée? Ben moi, je pense qu'il y a un profond ministère de guérison, parce qu'il y a tellement de familles qui ont été explosées à cause des différences sur par rapport à la COVID, différents points de vue, des gens qui sont devenus complètement isolés, des gens qui sont tombés dans un peu des psychoses d'un bord ou de l'autre, là, devenir vraiment intenses. Fait que, tu sais, je pense que le monde a besoin en anglais, healing, là, tu sais, de guérison. Fait que, est-ce que l'Église peut être la personne qui peut être l'entité qui amène ça? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres entités qui le font. Pas du tout. Au contraire, souvent, c'est encore plus divisif. Ils cherchent des façons de diviser, même après la COVID. Fait que, est-ce que l'Église peut être la personne qui... Parce qu'il y a des gens qui ont eu des grands bris de confiance sociale. Parce qu'ils se sont retrouvés dans des groupes qui ont été vraiment persécutés, si on peut dire le mot, par d'autres groupes. Puis ces gens-là sont seuls, on pourrait dire, ils ont une profonde blessure par rapport à ça. Fait que, tu sais, ils vont vivre dans l'isolement. Il y a un manque de confiance que tu vois dans un contexte social. Puis tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est perdu, là. Il y a une petite inquiétude et tout. Fait que, tu sais, juste ça, là, juste dire ça, là, on n'a pas demandé de convertir tout le monde, mais de juste être une entité qui promouvoit ça, une guérison sociale entre les gens, tu sais. Ben, c'est quelque chose qu'on peut prier, là, que, tu sais, dans le fond, on écoutait quelque chose aujourd'hui, parlait des thérapies et tout ça, puis j'ai rencontré quelqu'un durant mes vacances qui avait justement été en thérapie, puis dans le fond, on était d'accord, puis d'autres personnes aussi à qui j'ai parlé dernièrement, qui sont allés dans les thérapies. Puis, tu sais, tout le monde arrivait à dire, ben si c'est pas Dieu qui intervient dans ta vie, là, les chances que tu sortes de ton marasme, quel que soit le marasme, sont très, très minimes. Là. C'est que, tu sais, nous, on transporte Dieu, on l'a dit tantôt, on transporte l'Église d'une façon, le Saint-Esprit vit dans moi, le temple de Dieu, c'est moi. Là. Ben pas juste moi, mais nous, là, individuellement. C'est qu'est-ce que moi, je peux donner un refuge pour les gens qui cherchent un refuge? Ben la réponse est oui. Est-ce que j'ai le pouvoir de prier pour des gens qui soient libérés de leur angoisse, de leur isolement? La réponse est oui. On va prier pour ça. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à être la lumière du monde. Tu nous appelles à être un refuge. Tu nous as donné, Seigneur, les outils, le Saint-Esprit pour être capable de faire des choses que humainement, on ne peut pas faire. Par la prière, par l'imposition des mains, par la foi, Seigneur. Seigneur, je te demande que chacun de nous, on puisse exercer cette foi-là pour aider les gens qui nous entourent, qui qu'ils soient, qui pensent comme nous, qui soient dans notre groupe, non, qui aient une vie que nous, on juge inacceptable. Toi, Seigneur, tu reçois tout le monde. Puis aide-nous, Seigneur, à être justement cette personne-là qui te représente assez pour que les gens te voient quand ils nous regardent. Amen. Qu'est-ce que tu vois pour les prochaines années? Je ne sais pas, au niveau social, au niveau de l'Église, peut-être ta vie aussi, je ne sais pas. C'est une question très vague. Pour avoir plein de réponses. J'avais lu à Benny, quelque part, ça disait que tu sais, t'as le pendule du bien et du mal. Puis dans l'histoire de l'humanité, si tu regardes différents événements qui ont marqué notre histoire, soit que c'est le pendule qui est allé très très loin dans le mal, ou le pendule qui va très très loin dans le bien. On dirait que souvent c'est plus dans le mal que le bien. Puis de croire que oui, peut-être qu'on vit dans ce moment, dans un temps où ce que les choses sont difficiles, il y a beaucoup de gens qui font du mal. Puis que ce pendule-là, il va revenir, il va se rendre, tu sais, il est en train de monter, là, mais il va atteindre sa limite et il va revenir. Tu sais, fait que pour moi, ça me pensait ça, de dire que, regarde, Dieu est en contrôle. Puis oui, dans notre histoire, les choses, le mal a été loin, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que ça l'a revenu, tu sais, qu'on a retrouvé une balance jusqu'à ce que la prochaine fois que ça arrive. Mais
Puis, moi, ça m'a donné espoir parce que c'est facile de tomber un peu dans des idées un peu apocalyptiques. Là, tout va aller mal. Bientôt, on n'aura plus rien à manger, on n'aura plus chauffer, on va revenir des cromagnons, tu sais. Puis, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais je veux dire que je veux pas commencer à angoisser sur le fait que c'est vers ça qu'on s'en va, puis que c'est très, c'est un futur qui est extrêmement négatif, qui a pas beaucoup d'espoir. Moi, je voulais croire que Dieu, si tu regardes l'histoire, ça se répète, là, que oui, ça va mal, mais j'ai l'impression qu'il y a un éveil auprès des gens, Oui. là. Puis je lis sur toutes sortes de choses un peu partout, puis il y a beaucoup d'endroits que la génération, je sais pas si c'est pas les millénials. Ceux-là, c'est Z, je pense, ceux qui ont 15-16 ans, qui ont un grand, grand appétit pour les choses spirituelles. Parce que ces enfants-là, ils ont été élevés avec aucune Spirituel. influence spirituelle ou église ou quoi que ce soit. Puis il y a beaucoup d'endroits que ces jeunes-là, ils voient la génération qui est passée avant eux, à quel point est-ce qu'ils vont loin dans peut-être la perversion ou des idées qui ne font aucun sens. Puis ils ne veulent pas suivre cette génération-là. Il retourne vers des valeurs un peu plus conservatrices, on pourrait dire, qui sont peut-être plus basées dans des valeurs chrétiennes. Fait que, tu sais, je me dis, je pense pas que je pense que ça, c'est ma perception, de croire que là, ça va aller de pire en pire, puis que finalement, moi, je devrais même pas penser à avoir des enfants ou quoi que ce soit, parce que là, c'est clair que je les envoie en enfer. Tu sais, puis de dire que non, je veux pas être une personne qui pense comme ça, parce que sinon, il y a pas grand espoir dans le futur, là, tu sais. Ouais, lisons, je vois que ça coupe ici aussi, là. J'espère que quand on va l'écouter après, qu'il n'y aura pas de coupure, là. Je sais pas si l'Internet est là ou quoi, là, mais c'est que on va arrêter ça là. Toutes les questions sont ont Oui, j'ai pas répondu à mal quelque répondu aux chose. questions. C'est que, je sais pas, tu veux-tu prier pour nous? Moi, Ouais. ça fait 10 ans que j'ai pas fait ça. Non. Ok. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute cette entrevue, que puisse ressentir la présence de Dieu. Je te prie pour chaque chose qu'on a adressée, Seigneur, on les met devant toi. C'est des désirs qu'on aimerait voir pour l'Église dans le futur. Puis que, Seigneur, tu nous guides et tu sais déjà ce qu'il y a devant nous. C'est notre espoir est en toi, notre paix est en toi. Et oui, le monde autour de nous peut avoir l'impression d'être une tornade ou le chaos, mais notre paix et nos pieds sont solidement basés sur le roc qui est toi, Seigneur. Merci, Amen. Amen. Ben, merci d'être là. Je vais vérifier là, si l'entrevue s'est bien enregistrée, là, puis s'il y a quelque chose, on va le refaire. On ne pourra pas dire la même chose. OK, t'as pas de coupure. OK. Moi, j'en vois ici, là, mais on va vérifier, là, je vais le réécouter, puis on va repasser ça. Fait que bonsoir à tout le monde. Soyez bénis, puis merci Émilie de sa franchise. Puis si ça vous dérange les choses qu'elle questionne, ben peut-être qu'il faut que vous alliez devant le Seigneur. Puis vous avez trop un idéal là, de l'Église actuelle, puis il faut que ça change. C'est que soyez bénis. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye. Bye. Bon, j'espère que Ben, j'envoie des fois ça à l'autre.